people just to be competent. You know? Seem to me like their voice is better now than they ever have. Since I was in it. It seemed to me like it had some kind of a spiritual ring to it that kind of gets a hold of an old fellow like me. You know, the old prophets and the old wise sages, they used to say, once in a while, said, bring me out a minstrel. And he had things to do. La voix que vous venez d'entendre là pendant quelques instants, c'est celle de notre précieux frère Orman Neuville. Et j'ai envie de poser la question suivante. Qu'est-ce que Neuville avait compris pour se mettre à jouer les bandes que les ministres et pasteurs d'aujourd'hui ne comprennent pas? Qu'est-ce que Frère Collins avait compris pour se mettre à jouer les bandes que les ministres et pasteurs d'aujourd'hui ne comprennent pas? Pour moi, c'est une question qui vaut son pesant d'or, une question pleine de sens. Cela dit, je veux à nouveau venir abuser positivement de quelques minutes de votre précieux temps pour à nouveau pointer les gens vers la volonté parfaite de Dieu pour ce jour. Montrer aux gens pourquoi il est nécessaire, important et même impératif d'appuyer sur lecture et d'écouter Dieu nous parler au moyen de son prophète. En un mot, l'importance d'écouter les bandes. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, de tous les endroits où il vous sera donné de regarder cette énième vidéo. De ce pas, pour ne pas tirer en longueur, je m'en vais vous dire ceci, que j'ai partagé au téléphone avec un précieux frère. Je dis bien un précieux frère, et il s'agit d'ailleurs d'un ministre, un serviteur de Dieu. Nous avons échangé longuement au téléphone, c'était un très bel échange. Je dis bien un précieux frère, parce qu'au cas où il regarderait cette vidéo, qu'il comprenne que je ne fais pas cette vidéo animée de mauvaises intentions, non. J'ai trouvé simplement que notre échange était d'une telle richesse que j'ai pensé pouvoir, je me suis senti inspiré en fait de cet échange qu'on a eu pour développer ce que je vais développer maintenant. Pour encore et davantage attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance d'écouter la voix du septième ange. Donc, mon précieux frère et moi avec qui nous avons parlé, un frère avec qui nous nous entendons très bien, nous avons de très très bons rapports, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et puis, nous sommes arrivés à parler de l'absolu. Nous sommes arrivés à parler de l'absolu. Et tous deux, nous avons reconnu que William Branham, le messager de ce jour, est notre absolu. Et nous nous sommes accordés sur l'importance de ne dire que ce que cet absolu-là a dit et de ne rester qu'avec ce qu'a dit cet absolu-là, à savoir le messager du temps de la fin, le prophète William Marion Branham. Nous nous sommes accordés là-dessus. Et pendant que nous étions en train justement de parler de l'absolu, mon précieux frère m'a dit quelque chose. Il a dit, mais tu sais, mon frère, moi je n'ai pas cru, c'est ce qu'il a dit, que je n'ai pas cru que William Branham est l'absolu en lisant les brochures. Ce n'est pas en lisant les brochures et en écoutant les bandes que j'ai su ou que j'ai cru que William Branham était un absolu ou notre absolu. Il dit, j'ai cru en William Branham comme étant notre absolu avec mes ongles, mes cheveux. Je peux ne pas répéter avec exactitude ce qu'il a dit, mais c'était, il a parlé des ongles et autres. Donc, je vais ajouter un peu juste pour montrer à quel point le frère me disait, me montrait qu'il croyait que William Branham est notre absolu et de comment il en est arrivé à croire que William Branham était notre absolu. Il a dit donc que ce n'est pas en écoutant les bandes ou en lisant les brochures que j'ai cru que William Branham est notre absolu. J'ai cru que William Branham est notre absolu. Avec mes ongles, mes cheveux, avec tout ce que j'ai cru que William Branham était notre absolu en écoutant les ministres ou en écoutant le pasteur. C'est ce que mon frère m'a dit.
savez, c'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et premièrement, je veux déjà me réjouir de ce que mon précieux frère croit que William Branham est notre absolu. Et lorsqu'il me l'a dit, je lui ai répondu en ces termes. J'ai dit, effectivement, moi c'est comme ça aussi que j'ai cru que William Branham était notre absolu, était mon absolu. C'est mon pasteur de l'époque qui me l'a présenté. Et j'ai cru que William Branham était mon absolu. Et je lui ai même donné un exemple. J'ai dit, j'ai cru en ce temps-là que William Branham était mon absolu à tel point que si mon pasteur décidait d'aller croire autre chose, moi j'étais préparé à rester avec William Branham. Et dans mon cas précis, c'est ce qui s'est passé. Malgré les manquements et les faiblesses, je suis resté attaché à William Branham et je n'ai pas donné de l'oreille ou de la tête à gauche ou à droite chez quelqu'un d'autre, un huitième ou un neuvième ou un dixième, et ça, je ne sais pas où quelqu'un d'autre qui vient dire que maintenant c'est lui. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais les sachants savent, je suis resté fermement avec William Branham. Mais à cette époque-là, je n'écoutais pas les bandes comme je les écoute aujourd'hui. Et j'ai dit à mon frère que c'est exactement comme ça aussi que j'ai cru que William Branham était notre absolu. Mais comment se fait-il que nous croyons que William Branham est notre absolu et que nous n'en arrivions pas au point de décider maintenant d'écouter cet absolu? Nous ne pouvons pas dire que William Branham est notre absolu et que nous ne décidions pas de nous asseoir maintenant pour écouter cet absolu. Parce que tenez-vous bien, j'ai conclu ceci, qu'il y a de la séduction dans cette façon de parler et dans ce genre d'argumentaire, il y a de la séduction. Parce que vous savez, tous ceux qui créent des choses aujourd'hui dans le message, ils disent croire que William Branham est leur absolu. Mais pourquoi ne croient-ils pas en leur... Je veux dire, pourquoi rechignent-ils à écouter leur absolu? Ça, c'est une question qui vaut son pesant d'or. Je vais lire ceci. Dans le sermon 62-12-30, prêché au matin, paragraphe 59, donc le titre c'est l'absolu, William Branham dit ceci. Paragraphe 59. J'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie « parfait en soi ». Illimité dans sa puissance. William Branham ici est en train de donner la définition de l'absolu, selon Webster. Il dit « j'ai consulté le dictionnaire Webster ». D'après Webster, cela signifie donc l'absolu, « parfait en soi ». Illimité dans sa puissance, principalement. Un point de référence final. Voilà l'absolu. Qu'est-ce que l'absolu? Un point de référence final. Parfait en soi. Illimité dans sa puissance. Un point de référence final. Point de référence final. C'est comme la ligne d'arrivée. Tu vas faire une course, tu vas passer, franchir des étapes, mais tu as une référence finale, tu as un point final. Tu as une ligne d'arrivée là où tu dois atterrir. Tu as cet endroit, il faut que tu arrives là. Si tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu n'as pas atteint le point de référence final. Frère Branham dit, et ce point de référence final, c'est un amen. William Branham dit, je continue la lecture. Et ce point de référence final, c'est un amen. Que signifie amen? Amen signifie ainsi soit-il. Mais pour que tu dises amen, il faut que tu écoutes l'absolu. Pour que tu dises amen, il faut que tu écoutes justement cet absolu, ce point de référence final pour pouvoir dire amen. Et ce point de référence final, c'est un amen. C'est tout. Un absolu, c'est illimité en puissance. Peut-être que nous lisons ces choses, nous ne les comprenons pas. Nous disons que William Branham est notre absolu. William Branham dit un absolu, c'est illimité en puissance. Pesons cela. C'est ce que ça veut dire. Si tu dis que William Branham est notre absolu, William Branham dit un absolu, c'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Tout est là. Cela règle la question. Et j'ai pensé, c'est une chose glorieuse, c'est un mot merveilleux. Vous entendez ça? Oh là là, j'ai pas envie d'être long. J'ai vraiment pas envie d'être long. Nous sommes en train de parler du ministère des bandes. Nous sommes en train de parler de l'importance d'écouter les bandes. Nous allons remplacer X par sa valeur, c'est-à-dire bande par sa valeur. Quelle est la valeur de bande? La valeur de bande, c'est William Branham.
Nous sommes en train de parler, d'écouter William Marion Branham. Et nous disons de lui qu'il est notre absolu. Il dit, paragraphe 59, « J'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi, illimité dans sa puissance, principalement un point de référence final. » Principalement, il dit. Principalement un point de référence final. Voici pourquoi Joseph Branham dit « La chose principale, c'est d'appuyer sur lecture. » Voici pourquoi Joseph Branham dit « La chose principale, c'est d'écouter les bandes. » Pourquoi le dit-il? Parce qu'il a identifié l'absolu. Il a identifié celui qui est parfait en soi. Il a identifié celui qui est la référence finale. J'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi. Illimité dans sa puissance. Principalement un point de référence final. Et ce point de référence final, c'est un amen. C'est tout. Un absolu, c'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Voilà pourquoi je crois que les bandes sont parfaites. C'est parfait en soi. William Branham dit, tout est là. Cela règle la question. Vous comprenez maintenant pourquoi Billy Paul a dit, Dieu a pensé, le prophète a parlé, moi je crois et cela règle la question. Dieu a pensé, le prophète a parlé, moi je crois et cela règle la question. Pourquoi Billy Paul l'a-t-il dit? Parce qu'il avait trouvé son absolu. Observez le comportement de tout croyant du message, de tout véritable croyant du message qui a compris que William Branham est l'absolu. Il finira par écouter les bandes et par les écouter par-dessus tout. Je répète, tout véritable croyant du message qui a compris que William Branham est notre absolu est condamné, est obligé de se mettre à l'écoute absolue des bandes. Si tu dis que William Branham est ton absolu et que tu ne te mets pas à écouter les bandes, quelque chose cloche quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Parce que comment peux-tu affirmer que William Branham est ton absolu, mais quand on te parle d'écouter les bandes, pour toi c'est un problème. Pour toi, tu dois trouver des raisons, des explications, des démonstrations pour montrer qu'on ne doit pas écouter les bandes. Ça veut dire que William Branham est ton absolu seulement ici. Et William Branham va nous enseigner, il va nous dire, la confession n'est pas la possession. Il y a une différence entre confesser une chose et posséder la chose. Nous ne voulons pas seulement être des gens qui confessent la chose. Nous voulons être des gens qui possèdent la chose. Nous voulons passer au stade de la possession. Nous ne voulons pas de la foi dans l'esprit. Nous voulons de la foi ici à l'intérieur, dans notre âme. Car il n'y a qu'une seule chaise dans notre âme. Et tout dépend de celui que nous faisons asseoir sur cette chaise-là. Pourquoi Billy Paul a-t-il dit, Dieu a pensé, le prophète a parlé, moi je crois, et cela règle la question. Parce qu'il avait fait de William Branham son absolu. Parce qu'il avait compris que William Branham était l'absolu. Et quand tu sais que le prophète est l'absolu ou quelqu'un est l'absolu, qu'est-ce qu'il est? Il est parfait en soi, illimité dans sa puissance, principalement un point de référence final. Et ce point de référence final, c'est un amen. C'est tout. Un absolu, c'est illimité en puissance. Anzembi. Quand vous dites que William Branham est mon absolu, vous êtes en train de dire qu'il est illimité en puissance. Quand vous dites que William Branham est mon absolu, vous êtes en train de dire qu'il est le point de référence final. Quand vous dites que William Branham est mon absolu, vous êtes en train de dire qu'il est parfait en soi. William Branham dit tout est là. Point virgule, cela règle la question. William Branham dit, et j'ai pensé, c'est une chose glorieuse, point virgule, c'est un mot merveilleux. Donc, lorsque mon frère m'a dit qu'il croit que c'est grâce aux prédicateurs, aux pasteurs et autres qu'il a cru que William Branham est notre absolu, ça veut dire c'est une forte déclaration et que Dieu bénisse mon frère. Parce que je lui ai dit, c'est comme ça que moi aussi j'ai cru. Je lui ai dit exactement comme tu dis là, c'est comme ça que j'ai cru. Mon pasteur m'a présenté ça.
C'est pourquoi quand mon pasteur est parti comme ça, moi je suis resté là avec William Branham. Parce que Paul nous a enseigné, il a dit Galates 1:8, quand nous-mêmes qui avons enseigné ces choses-là, quand nous-mêmes, ou même un ange du ciel, viendrait enseigner un évangile autre que celui que nous vous avons apporté, qu'il soit anathème. Paul a dit, quand nous-mêmes, en commençant par nous-mêmes, nous qui avons enseigné ça. Parce que Paul voyait, envisageait aussi la possibilité où lui qui a enseigné ces choses-là se rétracte contre elles. Il a dit, quand nous-mêmes, nous viendrions enseigner un autre évangile, que nous soyons anathème. Donc j'ai dit au frère que moi aussi j'ai cru comme ça avec mes ongles et tout. Mais je n'écoutais pas les bandes comme je les écoute aujourd'hui. Pourquoi je ne les écoutais pas? Parce que celui qui m'a dit que William Branham était un absolu a fait un travail inachevé. Je répète et je pèse mes mots, je l'ai choisi. Tous ceux qui nous ont prêché que William Branham était notre absolu et qui ne nous ont pas amenés à écouter les bandes ont fait un travail inachevé. Je répète, et que Dieu les bénisse. Et je ne suis jamais de nature à cracher sur le travail que les anciens ont fait. Je les honore toujours et je les honorerai toujours. Mais il faut parfois dire les vérités. Et je vais répéter ceci. Tous ceux qui nous ont enseigné que William Branham était notre absolu, et ils nous ont enseigné avec force, y compris mon pasteur, y compris le pasteur de mon précieux frère avec qui j'ai échangé là. Et je veux croire que ce pasteur-là a fait un bon travail. Mais le travail était inachevé dès lors qu'il n'a pas enseigné à mon frère que maintenant il fallait que nous nous asseyions tous ensemble pour écouter cet absolu-là, pour écouter le point de référence final, pour écouter celui qui est parfait en soi et celui qui est illimité dans sa puissance. Le travail était inachevé. Prenons mon pasteur qui m'a enseigné avec de bons motifs que William Branham est un autre absolu. Il fit un bon travail en ce temps-là en me montrant que William Branham était notre absolu et que Dieu bénisse son âme et bénisse toute sa maison. Mais le travail de mon pasteur était un travail inachevé. Pourquoi? Parce que mon pasteur n'avait pas joint l'acte à la parole. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous rassembler maintenant tous ensemble pour écouter cet absolu-là, pour écouter le point de référence final, pour écouter celui qui était illimité dans sa puissance, pour écouter celui qui était parfait en soi, dans son message et dans son enseignement qui est contenu sur les bandes. Le travail était inachevé. Oui, ils nous ont dit, et je fais partie de ceux qui ont dit cela, que William Branham est notre absolu. Mais comme ils ne nous ont pas amenés à maintenant nous asseoir pour écouter tous ensemble, et lui, et nous, cet absolu-là, le travail est inachevé. Parce que c'est lui qui nous a enseigné ces choses, que William Branham était notre absolu. William Branham aussi était son absolu. Ça veut dire que lui-même aussi doit s'asseoir et écouter son absolu. Le travail est inachevé si c'est lui qui vous dit que William Branham est votre absolu, ne vous invite pas à vous asseoir maintenant avec lui pour qu'ensemble vous puissiez écouter votre absolu. C'est pourquoi j'ai posé la question au début. Qu'est-ce que Neville avait compris pour se mettre à jouer les bandes que nous ne comprenons pas? Qu'avait compris Collins pour se mettre à jouer les bandes que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que Rudel avait compris pour se mettre à jouer les bandes que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que James Farr, l'associé de frère Rudel, après le départ de Rudel à la maison, qu'est-ce que James Farr avait compris pour se mettre à jouer les bandes après le départ de Rudel à la maison? Qu'est-ce qu'il avait compris que nous ne comprenons pas? Parce que si nous ne jouons pas les bandes, comme ces gens-là, qui ont été proches de William Branham, qui ont été avec William Branham, si nous ne faisons pas ce que ces gens-là font, quelque part, il y a un problème. Nous ne pouvons pas prétendre être plus spirituels que ces gens-là. La finalité de la chose, c'est que celui qui vous dit que William Branham est notre absolu, il faut maintenant qu'il vous invite à vous rassembler avec lui pour qu'ensemble vous puissiez écouter cet absolu-là. C'est le point de référence final. C'est la fin du discours.
C'est la raison pour laquelle vous entendez Joseph Branham dire « Mon rôle et le rôle de tout ministre, c'est de bâtir la plateforme, préparer la plateforme pour que William Branham vienne enseigner son message. » Pourquoi Joseph le dit? Parce qu'il a compris que c'est lui l'absolu. Parce qu'il a compris que c'est lui qui est la référence finale. Parce qu'il a compris que c'est lui qui est illimité en soi. Illimité dans sa puissance et plus illimité dans sa puissance et parfait en soi. C'est ce que Joseph a compris. Si tu as compris que l'enseignement de William Branham, c'est ça l'enseignement qui est illimité dans sa puissance. C'est ça qui est la référence finale. C'est ça l'enseignement qui est parfait en soi. Pourquoi ça te poserait problème d'inviter ton peuple et toi et ton peuple, vous vous a essayé pour dire, je vous ai parlé longuement de notre absolu. Je vous ai dit combien il est parfait en soi, combien il est illimité dans sa puissance, combien il a la référence finale. Venez maintenant, asseyons-nous et appuyons sur lecture pour écouter la référence finale. Parce que la référence finale parle. C'est lui qui est illimité en soi, illimité dans sa puissance, parle. C'est lui qui est parfait en soi, parle. Et il parle au moyen des bandes. Et les bandes sont un ministère, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est celui que vous dites être votre absolu qui a dit que les bandes sont un ministère. William Branham dit, nous avons installé, mis sur pied à travers le monde, un système de bandes. C'est ce que dit William Branham, un système de bandes. C'est William Branham qui parle de ça. Alors, à quoi nous avons affaire? Ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, c'est que les gens qui nous ont dit que William Branham était notre absolu, nous disent que c'est à travers eux que nous devons comprendre cet absolu. Au lieu maintenant, la fin du discours, nous attendons la fin du discours, au lieu qu'ils nous disent, maintenant asseyons-nous pour écouter l'absolu car nous allons le comprendre. Non, ils disent non. Nous vous avons présenté l'absolu que c'est William Branham, mais pour que vous compreniez cet absolu-là, vous devez le comprendre à travers nous. Nous, on va lire, on va vous expliquer. Ou bien nous, on va écouter, on va vous expliquer ce qu'il a dit. On va vous faire comprendre ce qu'il a dit. Parce que si vous écoutez l'absolu directement, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est faux. William Branham dit, j'ai simplifié mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. Je répète. William Branham dit, j'ai simplifié mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. William Branham est cet absolu que même un enfant peut comprendre. William Branham est cet absolu que même un enfant peut comprendre. William Branham, il est l'absolu même des enfants. C'est-à-dire que William Branham avait le souci de se faire comprendre même par les enfants. Qu'il a simplifié ses sermons de telle sorte que même lorsqu'un enfant écouterait ses sermons, l'enfant le comprendrait. Voilà pourquoi il est important d'écouter les bandes. Pourquoi William Branham va faire une telle déclaration? Je répète, il dit, j'ai simplifié mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. Si même un enfant peut comprendre les sermons de William Branham, pourquoi ne pas permettre à l'enfant d'écouter les bandes? Voici pourquoi il est important d'écouter les bandes. Voici pourquoi tout tourne autour de l'écoute des bandes. Mais nous qui avons présenté William Branham comme étant l'absolu, c'est encore nous qui disons aux gens que non, si vous écoutez les bandes, vous ne comprendrez rien. Il faut que nous puissions vous expliquer ce que l'absolu dit. Non! Et je reviens encore à Billy Paul pour dire que Billy Paul, quand il a compris que William Branham était son absolu, il a dit, Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Moi, je crois, et cela règle la question. Quand vous vous mettrez à écouter les bandes, la question sera réglée. Ne laissez personne vous tromper en vous disant que vous ne pouvez pas comprendre. Et ne laissez pas le diable vous convaincre que Antipas est contre les ministres ou Antipas ne croit pas aux ministres. Je suis un ministre. Mais seulement en tant que ministre, j'ai compris ce qu'est mon rôle. C'est de faire en sorte maintenant d'amener les gens à comprendre l'absolu. Je ne présente plus l'absolu comme on me l'a présenté autrefois. Je parle de l'absolu maintenant en disant aux gens, allez vous-même écouter l'absolu. Allez vous-même appuyer sur lecture. Allez écouter les bandes. On présente l'absolu aux gens pour orienter les gens vers l'absolu, vers la course, vers la ligne d'arrivée, vers le point de référence finale.
vers celui qui est illimité dans sa puissance, vers celui qui est parfait en soi. Et William Branham dit, tout est là, cela règle la question. Et j'ai pensé, c'est une chose glorieuse, c'est un mot merveilleux. Quel mot qui est merveilleux? L'absolu. Donc chaque fois que vous direz que William Branham est mon absolu, vous êtes en train de dire que William Branham est le point de référence final, qu'il est le point de référence final, qu'il est illimité dans sa puissance et qu'il est parfait en soi. C'est pourquoi quand nous écoutons les bandes, nous écoutons le parfait en soi. Il n'y a pas d'ajout. Rien n'y a été ajouté, rien n'y a été extrait. Quand nous écoutons les bandes, nous écoutons celui qui est parfait en soi. Il n'y a aucun levain dedans, aucun levain. Tout est pur, tel qu'apporté par le septième ange messager. C'est la raison pour laquelle vous voyez Joseph Branham faire ce qu'il fait. Encourager les gens à écouter les bandes, à prendre cette parole dans sa forme la plus pure. Tout ministre qui déclare que William Branham est notre absolu et qui ne conclut pas par vous inviter à écouter le septième ange, à vous montrer l'importance d'écouter cet absolu par-dessus tout, et ne vous incite pas à aller écouter ces bandes, ce ministre-là vous a parlé de l'absolu à moitié. L'enseignement est incomplet. Donc, quand mon frère et moi nous échangeons, il m'a dit, j'ai cru avec les ongles et tout ça, c'est parce que le pasteur m'avait enseigné ça. C'est comme ça que j'ai cru que William Branham est l'absolu. En vérité, un jour, je vous dis ceci. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse mieux nous parler de l'absolu que William Branham lui-même. Je considère donc que la déclaration que mon frère l'a faite, elle n'est pas totalement vraie. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse mieux nous parler de l'absolu que l'absolu lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse mieux nous parler de l'absolu que William Branham lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse mieux nous parler de l'absolu que les bandes elles-mêmes. Donc, c'est que mon frère a dit, qu'il a cru que William Branham est absolu, que ce n'est pas les brochures, ce n'est pas en lisant les brochures, ce n'est pas en écoutant les bandes. Ça, cette déclaration n'est pas vraie. Et j'ai pris que mon précieux frère que j'aime beaucoup et qui m'aime beaucoup regarde cette vidéo. Cette déclaration n'est pas vraie. Parce qu'en faisant une telle déclaration, sans se rendre compte, le frère est même en train de dire que son pasteur ou mon pasteur à moi, c'est eux qui ont une meilleure connaissance ou compréhension de ce qu'est l'absolu. Et que les brochures et les bandes ne peuvent pas nous enseigner correctement sur ce qu'est un absolu. Et voir en profondeur ce qu'est un absolu. Ça, c'est faux, je ne crois pas ça. Le meilleur enseignant, c'est l'absolu lui-même. Le meilleur enseignant, c'est la bande. Et c'est la bande qui peut nous dire avec exactitude c'est quoi un absolu. Donc c'est une fausse déclaration que de dire que j'ai cru en profondeur que William Branham est l'absolu grâce à l'enseignement de mon pasteur. Non, ce n'est pas juste ça. Et voici pourquoi il est important d'écouter les bandes. Parce que quand nous les écoutons, nous faisons très attention. Quand nous les écoutons tout en croyant, comme nous l'a enseigné Joseph Branham, que tout ce dont vous avez besoin pour votre perfectionnement, pour votre édification, se trouve contenu dans les bandes. Donc ce n'est pas ailleurs. Voilà avec quelle attitude je m'en vais écouter les bandes, en croyant que tout ce dont j'ai besoin se trouve contenu dans les bandes. Que le meilleur enseignement, je le reçois dans les bandes. Donc je ne peux pas déclarer que j'ai cru en profondeur, avec mes ongles, mes cheveux, mes organes, que William Branham est l'absolu en écoutant un quelconque ministre et non le messager. Et c'est ce genre d'enseignement qu'on a apporté aux enfants de Dieu dans les églises. Et on est accroché à ça. Pourquoi? Parce que désormais, nous, on s'interpose entre le croyant et le prophète. C'est un faux enseignement. C'est pourquoi ces jours-ci, je n'ai fait que parler de la veuve de Sarepta. Pour dire qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Je voulais encore revenir aujourd'hui sur la veuve de Sarepta. Mais ça, je vais postponer, je ferai ça demain ou après-demain. Frère, c'est un faux enseignement.
il n'y a personne qui puisse vous enseigner correctement ce qu'est l'absolu, si ce n'est l'absolu lui-même, si ce n'est le messager lui-même, si ce n'est la bande, il n'y a personne. Donc de dire que ce n'est pas en écoutant les bandes ou en lisant les brochures que j'ai compris c'est quoi l'absolu, ça c'est une déclaration qui n'est pas vraie. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si mon frère regarde cette vidéo, je le sais intelligent, je veux qu'il aille encore examiner, étudier ça. Non, il n'y a pas quelqu'un. C'est-à-dire que, sans se rendre compte, le frère a placé automatiquement son pasteur qui lui avait parlé de l'absolu. Il l'a placé au-dessus des bandes et des brochures. Et comme on va remplacer X par sa valeur, il a placé son pasteur au-dessus de William Marion Branham. Parce que quand tu fais une telle déclaration, tu es en train de dire que ce n'est pas William Branham qui t'a enseigné ce que c'est qu'un absolu. C'est dangereux, frère. C'est très dangereux. C'est quand ton pasteur t'a dit sur l'absolu, il a eu ça de William Branham. Et la façon même qu'il est venu te présenter ça, il t'a présenté ça à moitié. Il ne t'a pas donné ça en totalité. Et c'est là où nous sommes séduits. Et c'est là que nous sommes trompés. Et nous sommes tellement séduits et trompés que nous voulons passer toujours par des intermédiaires pour comprendre le message. C'est une erreur. Je répète, William Branham a dit, j'ai simplifié mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. Allez chercher, comprendre ce que ça veut dire. Allez sonder cette déclaration du prophète, elle est très forte. J'ai simplifié mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. Alors si j'ai simplifié, si le prophète a simplifié ses sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre, et toi, ce n'est pas en lisant les brochures, en écoutant les bandes que tu as compris que William Branham est l'absolu. Mais c'est un danger. Dans le même sermon, l'absolu 62, 12, 30, paragraphe 277, William Branham dit, nous terminons, il dit, sans doute, quand il s'est retourné, il a eu une vision. Et ce petit garçon qui partait jouer en courant, qui sautait à la corde, ou quelque chose comme cela, qui jouait, il s'est jeté sur le bébé. Il a collé son nez sur son nez, ses lèvres sur ses lèvres, et la puissance de Dieu a ramené le bébé à la vie. Qu'était-ce? Paragraphe 278. L'absolu de la femme, c'était un prophète. Qu'était-ce? L'absolu de la femme, c'était un prophète. On parle ici de qui? De la tsunamite, je crois. William Branham, il se parle de la femme tsunamite. Qu'était-ce? L'absolu de la femme, c'était un prophète. Et l'absolu du prophète, c'était Dieu. Et ensemble avec la parole. Vous avez entendu ça? L'absolu de la femme, c'était un prophète. Voilà encore une autre femme ici. Mettons de côté la veuve de Sarepta. Voilà encore une autre femme qui avait pour absolu qui? Le prophète. Voilà une autre femme qui avait pour absolu le prophète. De qui avait-il eu l'enfant? Du prophète. Pas que le prophète était le géniteur, le père de l'enfant. Mais c'est le prophète qui est passé par là. Et le passage du prophète a fait que la parole apportée par le prophète fit que la femme conçut l'enfant. Et quand elle a eu des prophètes, puisque c'était une semence prophétique, cet enfant, c'était un enfant, comment dire, manifesté par la parole prophétique. Quand elle a eu des problèmes, que cet enfant est mort, elle n'est pas allée chercher un évangéliste, un apôtre, un évêque, un pasteur, non. Elle est allée chercher son absolu. Son absolu, ce n'était pas un évangéliste. Son absolu, ce n'était pas un pasteur. Son absolu, ce n'était pas un apôtre. Son absolu, c'était un prophète. Quand on parle d'absolu, si tu sais que celui-là, c'est lui le prophète, c'est lui qui est ton absolu, tu vas te retourner vers lui, peu importe la situation. Dans des situations difficiles et compliquées, tu te retourneras vers lui. C'est la même chose avec la femme de Memphis, je reviens là-dessus. Quand son fils est tombé malade, elle n'a pas dit, où est ton pasteur, où est ton apôtre, ton évangéliste. Elle a dit, où est ton Élie? Et il y avait Élie sur la terre. Son absolu, c'était Élie. C'était Élie son absolu. Et cette femme, quand l'enfant est mort, elle est allée vers son absolu. William Branham dit, oh, c'est merveilleux. Qu'était-ce? L'absolu de la femme, c'était un prophète.
Et comme l'absolu de la femme, c'était un prophète, quand il y a eu souci, elle s'est retournée vers le prophète. Qui est ton absolu? Qui est ton absolu? Et qui veux-tu écouter? L'absolu de la femme, c'était un prophète. Et l'absolu du prophète, c'était Dieu. Et ensemble avec la parole. Aujourd'hui, nous avons des croyants. Son absolu, c'est son pasteur. L'absolu de son pasteur, c'est le prophète. Et l'absolu du prophète, c'est Dieu. Mais ce n'est pas conforme à la parole. Je reprends. Nous avons des croyants aujourd'hui. Il est ici le croyant. Son absolu, c'est son pasteur, son évangéliste ou son apôtre ou son docteur. L'absolu du docteur, apparemment, c'est le prophète. Et l'absolu du prophète, c'est Dieu. Alors que, le croyant ici, et le pasteur ou le docteur ici, ils sont tous censés avoir un même absolu. Et s'ils ont tous un même absolu, ils doivent pouvoir, par moment, venir s'assembler tous, s'asseoir tous ensemble pour écouter leur absolu. Et c'est ce que faisait Neville. Neville prenait tout le Branham Tabernacle et il passait une bande. Et lui, et l'auditoire, il se mettait à écouter l'absolu. Et Neville déclarera ceci. Il dit, je vous encourage à écouter attentivement la bande que nous allons passer là maintenant, car vous allez y entendre des choses que vous n'aviez pas entendues quand la bande avait été enregistrée. C'est Neville qui dit ça. Je répète. Neville rassemble les croyants du Branham Tabernacle au Branham Tabernacle et il leur dit, je vous encourage à écouter attentivement cette bande, ce serment, car vous allez y entendre des choses que vous n'aviez pas entendues lorsque la bande avait été enregistrée. C'est-à-dire que lorsque William Branham avait prêché live, Neville dit au Branham Tabernacle qu'il y a des choses qui sont dedans que vous n'aviez pas entendues quand il avait prêché sans live. Il dit donc, je vous invite à nouveau à écouter ce sermon, cette fois-ci sous forme de bande, mais prêtez attention parce que vous allez entendre des choses que vous n'aviez pas entendues quand la bande avait été enregistrée. Et Neville ajoute, il dit, c'est pourquoi d'ailleurs nous croyons au fait d'écouter régulièrement ces bandes. Ça c'est Neville, Orman Neville qui déclare. Vous allez vous dire, Antipas, tu as eu ça où? Et j'ai entendu Neville. Vous n'avez pas, au début là de la vidéo, on n'a pas entendu. J'ai fait passer un extrait de la voix de Neville. C'est Neville qui le dit. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que Neville avait compris que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que Neville avait compris que les ministres aujourd'hui ne comprennent pas? Que les pasteurs aujourd'hui ne comprennent pas? C'est quoi qu'on ne comprend? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi nous ne voulons pas jouer les bandes? Neville pouvait inviter le peuple, s'asseoir avec le peuple pour écouter leur absolu. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi ne le faisons-nous pas? Pourquoi ne le faisons-nous pas? C'est une question qui vaut son pesant d'or. Veuillez m'excuser juste une minute. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais il fallait que je le fasse. Alors, c'est ce que Neville disait à son auditoire. Hein? J'ai dit bien, Orman Neville, il dit, écoutez très attentivement cette bande que nous allons écouter. Il dit, écoutez bien, vous allez entendre des choses que vous n'aviez pas entendues lorsque la bande avait été enregistrée. Il dit, c'est pourquoi nous croyons au fait d'écouter régulièrement ces bandes. Ça, c'est Orman Neville au Branham Tabernacle. Il pouvait s'asseoir avec son auditoire, tout le monde ensemble, et écouter ensemble leur absolu. Parce que l'absolu de la femme, c'était le prophète, et l'absolu du prophète, c'était Dieu. Et William Branham dit, tous ensemble avec la parole. Bon, maintenant, pourquoi le ministre s'exclut de cela? Pourquoi s'exclut-il de cela, de ce tableau? Pourquoi le pasteur s'exclut-il de cela, de ce tableau? En ne considérant pas William Branham comme son absolu, le prophète. Donc si le prophète est ton absolu, il est ton absolu au même titre qu'il est l'absolu de la femme. Il est ton absolu au même titre qu'il est l'absolu du diacre dans l'église. Il est ton absolu au même titre qu'il est l'absolu de l'administrateur, de tous les croyants dans l'église. À moins que tu crées maintenant ton histoire à toi là, ta lignée à toi là, ça va faire que
les croyants, les membres de l'église, l'absolu des membres de l'église, c'est le pasteur. L'absolu du pasteur, c'est le prophète. Et l'absolu du prophète, c'est Dieu. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. La façon que ça marche, c'est l'absolu de la femme, du croyant, du pasteur, du diacre, de l'évangéliste, du pianiste, de l'organiste, du concierge, c'est le prophète. Voilà comment ça marche. L'absolu, je reprends, du concierge, du pianiste, du diacre, de l'administrateur, du guitariste, du tambouriste, l'absolu du pasteur assistant, l'absolu du pasteur, c'est le prophète. Donc vous êtes tous ensemble, c'est le prophète. Et l'absolu du prophète, c'est Dieu. Voilà la parole. C'est la raison pour laquelle j'ai dit encore, Billy Paul a dit, Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi, je crois. Et cela règle la question. Et cela règle la question. Et cela règle la question. Il ne faut pas que je vous enseigne que l'absolu, c'est le prophète. Ensuite, je vous dis que pour comprendre le prophète, vous devez passer par moi. Et en ne vous donnant pas la possibilité d'écouter le prophète, l'absolu, directement, d'écouter les bandes directement. Non. Donc, chaque fois que vous voyez un prédicateur, un pasteur qui vous dit que William Branham est notre absolu et qu'il ne vous amène pas, après avoir dit cela, s'il ne vous amène pas maintenant à écouter cet absolu, dès ce moment-là, celui-là vous a enseigné sur l'absolu, c'est vrai, mais à moitié. Parce qu'il fallait qu'il vous amène maintenant à écouter cet absolu-là. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Dans ma petite vie, j'ai eu l'occasion d'approcher des grands hommes de ce monde. Dans ma petite vie. Il fut une période où sur une année entière, nous avions fait le tour du pays avec le président de la République. Et je faisais partie de ces gens-là qui devaient partir 2 jours à l'avance avec toute une équipe pour aller préparer les choses sur le terrain avant l'arrivée du président. Et le président arrivait toujours 2 jours après notre arrivée. Et le jour J, les populations étaient invitées. Elles savaient que le président allait venir parler. Les populations venaient pour écouter le président. Les populations ne venaient pas pour écouter le gouverneur de la ville. Les populations ne venaient pas pour écouter le maire de la ville, ce qu'on appelle dans d'autres pays le bourgmestre, je crois. Les populations ne venaient pas pour écouter le préfet. Les populations ne venaient pas pour écouter le représentant des jeunes ou le représentant des femmes. Les populations venaient pour écouter le président. Parce que c'est au président que les populations voulaient soumettre des doléances. C'est au président que les populations voulaient soumettre des doléances. Parce que les populations savaient que c'est le président qui a la signature qui décaisse l'argent du trésor public. Parce que les populations savaient que c'est le président qui signe les décrets. Parce que les populations savaient que c'est le président qui nomme au poste stratégique. Et les populations se rassemblaient. Bien que les populations ne venaient pas pour écouter le représentant des jeunes, le représentant des femmes, ou le préfet, le bourgmestre, ou le gouverneur, cela n'empêchait pas que le gouverneur prît la parole. Le gouverneur se mettait à parler. Il prenait quelques minutes, il parlait, on acclamait. Le préfet parlait. Le maire, s'il avait été programmé pour parler, il parlait. Si le représentant des jeunes avait été programmé pour parler, il parlait. Si la représentante des femmes avait été programmée pour parler, elle parlait. Mais à la fin de tout cela, il fallait que le peuple entende l'absolu. Parce que l'absolu, c'était qui? Le président. La réunion ne pouvait pas se terminer avant que le président eût pris la parole. Le peuple était venu pour écouter le président et pour voir le président. L'homme qui a les décrets. L'homme qui dans le pays est l'absolu. L'homme qui dans le pays est parfait en soi. L'homme qui dans le pays est la référence finale. L'homme qui dans le pays est illimité dans sa puissance. Parce qu'il peut te jeter en prison même si tu n'as rien fait. Et il peut te sortir de la prison même si tu as tué 10 000 personnes. Est-ce que vous comprenez ça?
Et quand le président avait fini de parler, l'affaire était terminée. Plus personne ne venait parler après. Quand le président avait fini de parler, tout était terminé. On se levait, on se séparait. On partait. C'était fini. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas trop en ces gens-là qui jouent les bandes. Ils jouent la bande et à la fin de la bande, ils se mettent à prêcher. Ou ils se mettent à raconter ces histoires. Non! Quand on a écouté l'absolu, qui est la référence finale, mais qu'est-ce que tu vas venir dire après? Quand l'absolu a parlé, quand celui qui est parfait en soi a parlé, quand celui qui est illimité dans sa puissance a parlé, qu'est-ce que tu vas venir dire après? Si vous voulez parler, parlez avant. Et comme mon épouse avait dit à une sœur, « Sœur, ce n'est pas... » Parce que la sœur là lui avait dit, « Oh non, mais tu sais, dans notre église, hein, avant que le pasteur prêche, on écoute d'abord une bande pendant 30 minutes et puis le pasteur prêche. » Ma femme lui avait répondu, elle avait dit, « Ce n'est pas William Branham de bâtir la plateforme à vos pasteurs. C'est à vos pasteurs de bâtir la plateforme à William Branham pour qu'il vienne prêcher. Et non l'inverse. » Quand le président finissait de parler, tout était terminé, on se levait, on partait. J'ai vécu cela. Pas seulement en une année. Tout le temps, j'ai vécu ça. Après ça, j'ai encore vécu ça tant de fois. Et c'est comme ça que ça se passe. Je ne crois pas en ces gens-là. Ils jouent la bande d'abord dans l'église. Et tout ça, quand la bande est finie, ils montent maintenant. Lui, il se met à prêcher. Je ne crois pas ça. Neville n'a pas fait ça. Collins ne faisait pas ça. J'ai vu ce que Collins faire. Il ne faisait pas ça. Il faisait ce qu'il a fait, les annonces et autres, il parle. S'il devait parler, il parle. Et quand il a fini, on met la bande. Quand la bande est finie, on se sépare. C'est ça le modèle. J'ai vu Joseph Branham, il parle. Comme lui-même dit, il prêche 20-30 minutes. Quand il a fini, on a fini, on met la bande. Quand la bande est terminée, on se sépare. Vous qui laissez d'abord William Branham prêcher là, quand il finit, vous venez à la fin, vous vous mettez encore à prêcher là. Vous avez vu ce modèle là où? Vous avez vu ça où? Quel courage avez-vous de parler après que celui qui est illimité dans sa puissance, parfait en soi, la référence finale a fini de parler. Quel courage avez-vous de venir parler après que William Branham ait parlé? Comment est-ce possible? Vous voyez comment nous sommes embrouillés même sur ce qu'est l'absolu? Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide. Vraiment, je le dis sincèrement, que Dieu nous aide, il y a un problème. Et William Branham nous a dit, le naturel est un type du spirituel. Qui est ton absolu? On a tourné comme ça avec le président tout le temps. Et quand il finissait de parler, c'est fini. Le gouverneur ne peut plus venir. Le prophète ne peut plus venir. Parce qu'il est la référence finale. Il est illimité dans sa puissance. Il est parfait en soi. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Le peuple doit seulement dire amen. Le peuple doit seulement acclamer. S'il a dit, je vais vous construire une centrale électrique ici, c'est fini. Toi, tu vas venir dire quoi après? Tu es qui? S'il a dit, on va lancer des projets d'agriculture ici, tu vas encore venir dire quoi? L'homme qui a le décret a parlé. L'homme qui a la signature a parlé. L'homme qui a le pouvoir de faire sortir l'argent du trésor a parlé. Toi, tu vas venir dire quoi? C'est fini, tu ne parles plus. Tous ceux qui... prêche après que William Branham ait prêché là. Vous jouez d'abord les bandes, vous jouez quand vous finissez. Maintenant, vous venez parler là. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. William Branham n'est pas là pour bâtir la plateforme pour vous que vous puissiez venir prêcher. C'est vous qui devez bâtir la plateforme pour que William Branham vienne prêcher. Le naturel est un type du spirituel. C'est ce que j'ai vu le préfet faire. C'est ce que j'ai vu le gouverneur faire. C'est ce que j'ai vu le maire faire. Quand ils ont fini de parler, ils ont bâti la plateforme. Et que le peuple est maintenant dans l'expectative, le président se lève. Quand il se lève, il n'a même encore rien dit. Tout le monde est dans l'expectative. On acclame, c'est les cris, c'est les osous, c'est les oyé. J'ai vu ça. Et quand il regarde, il sait que la foule est conquise. Pourquoi? Parce que des gens ont fait le travail pour préparer la plateforme, pour préparer le terrain, pour préparer les cœurs. Et quand il parle là, il ne prend même pas beaucoup de temps, son message est passé. C'est le rôle que nous devons jouer. En tant que ministre, le rôle du gouverneur, du préfet, le rôle du maire, nous devons préparer le peuple. Et quand le peuple est prêt, nous disons, absolu, illimité dans sa puissance, parfait en soi, référence finale, le peuple est là, viens parler. Retenez ceci,
que tout celui qui vous dit que William Branham est l'absolu et qui ne conclut pas son message en vous disant que maintenant nous devons écouter l'absolu et que nous devons écouter les bandes et les écouter par-dessus tout. Il vous a mal enseigné l'absolu. Et d'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui puisse mieux enseigner l'absolu que William Branham lui-même. Il n'y en a pas. Donc, de dire que je n'ai pas cru que William Branham est l'absolu en lisant les brochures, en écoutant les bandes, mais ce n'est pas mon pasteur. Tu es en train de dire que ton pasteur est au-dessus de William Branham. Parce que ce que ton pasteur t'a apporté là, c'est de l'à peu près. Si tu veux vraiment savoir c'est quoi l'absolu, appuie sur lecture et écoute les bandes. Je voulais parler de l'absolu pour dire aux gens que notre absolu aujourd'hui, c'est les bandes. Notre absolu, c'est les bandes. Et nous devons appuyer sur lecture pour faire parler notre absolu, pour l'entendre nous parler directement. Comme il est la référence finale, il est limité dans sa puissance, il est parfait en soi. Tout ce qu'il dira, nous accepterons, nous croirons cela et nous comprendrons cela. Pourquoi allons-nous le comprendre? Parce que William Branham a dit, j'ai simplifié mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez les bandes, écoutez-les par-dessus tout. Il n'y a pas mieux que ça. Et c'est ce que nous faisons. Je sais que les gens trouvent négligeable ce que nous sommes en train de faire là. Ils disent c'est négligeable, ça ne vaut rien, ça ne représente rien. Oh, mais vous savez quoi? Ce que nous faisons là, il y a des gens qui viennent, qui regardent, qui prêtent attention à ce que nous disons, qui entendent ce que nous disons et qui retournent aller essayer. Quand ils se mettent à pied sur lecture, ils se mettent à écouter, les témoignages que nous avons sont extraordinaires. C'est parce que je ne peux pas, on n'a pas la tête grosse pour venir ici vous dire, regardez les retours que nous avons de ce que nous faisons. Regardez les retours, regardez les témoignages, regardez les appels, regardez qui nous contacte, regardez, regardez. On ne fera pas ça, moi je ne ferai pas ça. Mais le ciel lui-même connaît. Ce que nous faisons là, les gens trouvent que c'est négligeable. Mais ce bruit-là signifie quelque chose pour quelqu'un quelque part. Et c'est comme ça que beaucoup sont en train de venir dans la vision, de saisir la vision, dans le programme de Dieu et se mettre à écouter les bandes. Au travers des vidéos, des choses que nous faisons là. Pour beaucoup, c'est négligeable, mais ce n'est pas grave. Mais cela signifie quelque chose pour quelqu'un quelque part. Ma prière est que Dieu vous bénisse abondamment. Je pensais que je ferais 15 à 20 minutes, mais bon. Malheureusement, je me suis laissé conduire et je prie que cette vidéo soit une bénédiction pour un enfant de Dieu quelque part. Ne la gardez pas pour vous, partagez-la. Ça peut aider quelqu'un quelque part qui est embrouillé sur l'absolu, si c'est que c'est que l'absolu. Quelqu'un est embrouillé. Il pense que non. Voilà, c'est lui, il est ici, le pasteur est là, le prophète est là et Dieu est là. Donc, l'absolu du croyant, c'est le pasteur. L'absolu du pasteur, c'est le prophète. Et l'absolu du prophète, c'est Dieu. Alors qu'en réalité, et lui, le croyant, et le pasteur, ils sont pareils. Et tous deux, leur absolu, c'est le prophète. Et l'absolu du prophète, c'est Dieu. Donc, tous deux doivent s'asseoir pour écouter ensemble leur absolu. Leur absolu. Le pasteur est ici. L'évangéliste est ici. Le docteur est ici. L'apôtre est ici. Tout le monde est ici. Le concierge est ici. Le pianiste est ici. Le guitariste est ici. Hein? Tout le monde est ici. C'est pourquoi tout pasteur qui se respecte, qui a compris, tout prédicateur qui se respecte, après avoir enseigné à son peuple que nous avons un prophète, après leur avoir dit que nous avons un prophète, il y a un message et tout, ils s'asseyent maintenant ensemble, appuient sur lecture pour écouter celui-ci. Car celui-ci parle de la part de celui-là, c'est-à-dire de la part de Dieu. C'est ça l'absolu. Ma prière est que Dieu vous bénisse tous abondamment. Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est encore Neville, mais nous parlerons de cela plus tard. Shalom. You prayed for me and I said, if God wants it.